Bonjour à tous, petite vidéo, sans prétention, je reviens du travail, j'ai fait quelques petites touches sans chemin du retour, entre mon boulot et la baraque. Donc pour une fois c'était sympa, j'ai trouvé un tout petit peu de militaria et quelques petits objets sympas. Donc je vous montre comme ça, j'ai trouvé une vieille chaise que je vais retaper, c'est assez sympa. Quelques tableaux qui sont signés, je sais pas quand ça date, à mon avis ça vaut que dalle. Ça, celui-là il est assez beau aussi, ça a l'air d'être assez ancien, c'est un dessin. Il est encadré, je pense qu'à mon avis, il y aura une bonne raison. Encore un petit tableau. Des poignées de porte anciennes, c'est toujours bon à récupérer pour ceux qui collectionnent qui retapent une vieille maison. Un peu de métal à retaper, des couteaux, enfin, des crêpes ou autre chose, je pense. Cet outil. Si vous connaissez, moi je connais pas du tout, je sais pas du tout ce que c'est. Aucune idée de ce que ça peut être. Et sinon, j'ai quand même trouvé un peu de militaria. Ça, ça fait très plaisir. Oui, je les ai portés pendant des années. Celle-là, j'ai trouvé dans la rue et c'est ma taille. C'est du 42, donc content. Elles sont juste, c'est des morvans. Je suppose qu'elles sont datées, marquées, qu'il y a des marquages à l'intérieur. Je vais pas les toucher. Le jour où je voudrais les porter, je mettrai de l'huile de pied de bœuf à l'intérieur, parce que l'huile de pied de bœuf, bah, c'est vrai que c'est génial quand tu les portes, c'est très bien. J'ai trouvé aussi une couverture militaire. Elle, c'est direct sur machine à laver. Je pense que c'est un vieux modèle parce qu'il y a une bande noire. Je ne sais pas de quand ça date, si quelqu'un connaît, ça m'intéresse. J'ai trouvé un autre truc sympa. L'Allemagne. Souvenir des forces armées françaises en Allemagne, donc ça doit être un truc des années 60-70, c'est quand l'armée française occupait l'Allemagne. C'est un album photo, malheureusement il est vide, mais je l'ai conservé parce que la voilure est vraiment très très belle, il n'est pas trop escarté. Avec, il y avait un petit truc tout con, un ceinturon. Ah, j'ai trouvé ça aussi. Un épui pour un Walther PPK, ça c'est allemand, ça date de la Seconde Guerre mondiale. On mettait le pistolet à l'intérieur, j'en avais pas parce que je fais. En principe, je fais pas dans l'armement, c'est pas mon truc, mais c'est plutôt les casques. Donc voilà, ça c'est de la trouvaille du jour. Les marquages, j'arrive pas à les voir parce qu'ils sont complètement bouffés, mais c'est bien Walther PPK. J'ai regardé sur les bouquins, les dimensions, tout ça, c'est Walther PPK. Plus qu'à trouver une réplique ou une maquette, ce sera parfait pour mettre dedans. Donc ça c'est cool. J'ai trouvé un autre truc aussi, dernier truc à propos des encombrants d'ailleurs. Ça c'est un vulgaire sac à main. Là dedans il y avait ça. Des pièces de monnaie. C'est tout con, mais très souvent dans les encombrants, les gens balancent des tas et des tas de sacs à main, quand ils vident les maisons par exemple. Quand papy et mamie sont plus là pour faire le rangement, souvent il y a de l'argent, des billets, des pièces. Ça reste au fond des sacs à main. Donc voilà. Prochaine vidéo que je vais faire, ça sera. Soit sur le thème des masques à gaz, la guerre des gaz, c'est un truc que je voudrais démarrer parce que ça me tient à cœur. Soit sur les casques anglais. J'en ai quelques-uns à présenter, j'ai déjà fait le scénario. Voilà. Merci de m'avoir suivi.